aller de l'autre côté. C'est ça, c'est repris par les Mousseds qui remettent dans la cave. Ça vient dans la cave, le tir, l'arrêt. Non, le but. C'est le but, le tir de Logan Crosby qui déjoue Kyle Higgins. C'est un but bizarre là-dessus, là, Jean-Sébastien. Oui, en fait, du côté des Mousseds, on a... Roche laisse du côté d'Allard à la ligne bleue. Ça va cournoyer vers Gill. Le tir de Gill, la passe, oh, c'était parfait pour Allard. Et finalement, c'est Fontaine, Allard à tomber, qui marque à l'embouchure du Fontaine. Du but, Louis-Philippe Fontaine. Louis-Philippe Fontaine à genoux devant le filet. Qui a battu Rousseau. Et là, quelle séquence là-dessus. Dylan Gill qui s'est avancé, a fait un tir-passe parfait vers Borush qui malheureusement avait raté le filet. Ça va vers la ligne bleue. Le tir, le but! Yacoub Houlière! Un tir qui venait de nulle part de Yacoub Houlière. Pas nécessairement le tir le plus puissant, mais qui trompe la vigilance de Mathis Rousseau. Eliaski prenait devant 2 à 1. Deux buts en moins de 30 secondes. Mais oui, là, quelle séquence du côté d'Eliaski qui font vite. Avec beaucoup de vitesse, Turcotte remet à Houlière dans l'enclave. Et le bel arrêt de Rousseau là-dessus. Et là, Turcotte va réussir à revenir. Et c'est Gill. Par exemple, ça va aller jusqu'à Why Not à l'angle. Why Not vers Dumais. Dumais, le tir, ça dévie. Oh, l'arrêt! L'arrêt de Hagen là-dessus. Quel arrêt de Hagen! Ça revient vers Why Not à la ligne blonde. Mainville est avec Dubois. Mainville, le tir, c'est arrêté. Dubois au retour, mais ça rate. Mainville, le wrap around, mais rate le tir, rate la cible. Et là... Dubois a eu un bâton au visage. Oui. Ça revient à Allard, l'amène avec deux joueurs du côté de Allard. La passe. Oh, Fontaine, le tir, l'arrêt incroyable de Rousseau là-dessus. Oh, quel arrêt de Rousseau là-dessus. Fontaine avait un but complètement ouvert. Quel arrêt! Huard qui contourne le défenseur et là, et il corre là-dessus. Là, il y a une punition au ski. Hagen a perdu son bâton. Ça va McKinnon. McKinnon, son tir dans la. Ça va dans l'enclave et Catafore qui reprend et marque le but de Mathieu Catafore. Il y avait une punition en retardement aussi sur le jeu. Là. Oui, Hagen n'en avait plus son bâton. Là, on le sentait qu'il était beaucoup moins à l'aise devant son filet. Et puis Catafore en a profité avec une rondelle déviée devant le filet pour. La poussée dans la partie supérieure, alors... Godet vers Houlière. Le tir de Houlière, c'était précis, tir! Est-ce que ça rentrait? L'arrêt de Rousseau, incroyable! Perrault avait les bras dans les airs, il avait arrêté de jouer, était certain que Turcotte avait marqué, mais non, Rousseau dit non! Quel arrêt! Un 2 contre 1, 2 contre 1, Zenon et Perron. Zenon passé à tir, et l'arrêt de Rousseau... Oh, le joueur Furlong n'a pas donné Fontaine. Vaibourache dans l'enclave. Alors, le tir, l'arrêt de Rousseau. 5 secondes à faire. 3, 2. Et la période va se terminer là-dessus. On ira en prolongation. Les deux équipes avancent un point. Hey, un 2 contre 1, Jean-François, avec moins de 10 secondes à faire. Je l'avais dit. Turcotte est là. Changement qui va permettre un 2 contre 1. Turcotte à Godet, le tir, le but. Émeric Godet qui marque. Changement.